Bienvenue à notre 7e rencontre de la semaine de la famille. Hier, nous avons parlé de violence conjugale. Aujourd'hui, le sujet ne sera pas moins grave, car nous parlerons des abus en général et en particulier chez les jeunes. Ces dernières années donnent l'impression que la société se réveille d'un long sommeil. Les parents sont dépassés par les images qu'ils trouvent sur le téléphone de leurs ados et ils osent enfin parler. Les victimes d'abus ont pris le courage de dénoncer leurs agresseurs. Les langues se délient, des mouvements s'organisent. Les cas d'abus ne sont plus seulement jugés au tribunal, mais carrément en place publique, notamment sur les réseaux sociaux, avec les désormais tristement célèbres hashtag MeToo ou, pour la version française, hashtag balance ton porc. Pourquoi ce déferlement de dénonciation? Pourquoi de cette façon? Pourquoi si tôt dans la vie? Face à ce phénomène qui paraît si récent, qu'est-ce que la Bible si ancienne a à nous dire? Écoutons les éléments de réponse que le pasteur Philippe Penner, responsable du département famille, mais aussi de la jeunesse à la Fédération Adventiste France Sud, peut nous apporter ce soir. Mais avant cela, je vous invite à écouter un témoignage poignant, précédé de quelques chants, en l'honneur de celui qui ne veut que notre bien. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Pleinement, elle nous suffit.
elle me suffit. À chaque instant, elle me suffit pleinement. Tu as toujours imaginé que lorsque l'amour arriverait, le monde te semblerait bien meilleur et plus sûr. Ensemble, vous pourriez tout affronter. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Mais comment faire si ce n'est pas ce que vous aviez imaginé? En tant qu'humain, nous ne sommes pas parfaits. Et les relations peuvent changer. La confiance a peut-être été brisée, ou bien de la distance s'est installée entre vous. La jalousie et la colère ont pris le dessus. Ou peut-être même l'inimaginable. Sache que tu n'es pas seul. Jésus a dit « Demeurez dans mon amour, afin que ma joie demeure en vous. » Il se soucie de toi et il t'aime. Laisse-le te montrer ta valeur. Je voudrais aborder le sujet difficile des rapports sexuels dans le couple. Je dis difficile car en fait, c'est un non-sujet dans la Bible. En effet, un seul texte l'évoque, mais il ne traite pas réellement du comment se vivent les rapports sexuels dans le couple. D'autres textes évoquent des relations conjugales, mais il faut reconnaître souvent par le contre-exemple en réalité. Pourquoi ce sujet ? Car j'ai réalisé pendant un an et demi une enquête auprès des jeunes et les résultats m'ont interpellé. Car en fait, beaucoup de sujets ne sont pas abordés en famille, entre amis ou même à l'église, de manière posée et de manière réfléchie. On se contente souvent de ce que l'on a glané dans un livre au détour d'une discussion ou qu'on a cru entendre un jour dans une prédication sans savoir si c'était vraiment le sujet abordé. Dans cette étude, de nombreuses réponses évoque que les jeunes et les moins jeunes se sentent livrés à eux-mêmes dans les questions de conjugalité et n'y répondent pas forcément de manière sensée. Pourtant, ces questions, nous y sommes tous confrontés. Alors, voici quelques pistes de réflexion que nous pourrions en tirer de la Bible. Quels éléments peuvent alimenter notre réflexion? En 2011, éclate un scandale avec l'affaire DSK. Aussi appelée l'affaire du Sofitel de New York. Le directeur du FMI est alors accusé d'agression sexuelle, de tentative de viol et de séquestration à l'encontre d'une femme de ménage de l'hôtel. En 5 ans, le dossier est définitivement clos entre les protagonistes par un accord financier à l'amiable. Malade sexuelle, dérangé, obsédé, que n'a-t-on pas utilisé comme mot pour qualifier cet homme politique ? En 2017, c'est une nouvelle affaire qui éclate, l'affaire Harvey Weinstein, célèbre producteur américain qui est accusé d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol. Dans ce dossier, c'est pas moins de 12 femmes, dont des célébrités mondiales, qui l'accusent des faits. Ce que ces deux affaires vont contribuer à faire jaillir, le mouvement MeToo. Voilà le point commun. Ce mouvement social devient alors planétaire pour dénoncer des viols, des agressions sexuelles qui existent bien trop souvent dans nos sociétés. L'Église adventiste, elle aussi, a depuis des années mis en place une journée de sensibilisation et un programme du nom de End It Now. Certains parfois s'en offusquent, d'autres pensent qu'au contraire on en fait trop, qu'on en parle trop, que ce n'est pas si fréquent, que cela pire, ou parfois il y a de la fabulation. Dans cette étude que j'ai menée au sein de l'Église adventiste, les résultats sont sans appel. Et je vous les partage aujourd'hui. 6% des jeunes reconnaissent avoir sexuellement abusé quelqu'un, l'agresser sexuellement ou avoir violé. 22% des jeunes reconnaissent avoir eu un geste déplacé que l'on peut qualifier de harcèlement sexuel. 25,4% des jeunes disent avoir été abusés sexuellement. 25%, soit un quart des jeunes de nos églises. Si je résume, un quart reconnaissent avoir été abuseurs et un quart reconnaissent avoir été abusés, soit 50%
des jeunes de nos églises qui sont impactés par cette question. Alors non, nous n'en parlons pas trop. L'Église n'en fait pas trop. Et oui, nous avons raison d'agir, car nous parlons de nos femmes, de nos enfants, de nos filles. Je voudrais faire une lecture sûrement un peu dérangeante d'un texte biblique avec vous. Je pense que cette lecture peut être choquante, mais vous pourrez me dire dans les commentaires de cette vidéo si réellement elle est fausse. Dans 2 Samuel, chapitre 11, il y a la célèbre histoire de David et Bathsheba. Alors, cette histoire, vous la connaissez tous, cet épisode sombre de la vie de David. Et je vous invite à lire ce texte de 2 Samuel 11, versets 1 à 5. Et au verset 1, c'est la période des guerres, et David est resté dans son palais. À partir du verset 2, un soir, il est sur le toit de son palais, et il voit cette femme magnifique qui se lave. Le texte précise qu'elle se lave pour se purifier car elle venait d'avoir ses menstruations. Au verset 3, David se renseigne sur elle. Il apprend qu'elle n'est pas libre, mais que son mari est à la guerre. C'est le personnage d'Uri. Au verset 4, David envoya des messagers la chercher. Il couche avec elle. Au verset 5, Bathsheba rentre chez elle. Alors nous qualifions cette histoire d'une histoire d'adultère. Nous faisons une lecture plus détaillée maintenant, si vous le voulez bien. On va prendre des faits. Tout d'abord, David ne la connaît pas. Mais elle, oui, forcément, puisque c'est le roi. Au milieu de la nuit, des messagers, je dis bien du roi, des soldats, suivant les traductions, frappent à la porte de chez elle. Et lui disent « Viens avec nous ». Imaginez juste cette situation. Vous avez l'homme le plus influent du pays, qui est votre voisin, et qui vient vous faire chercher au bon milieu de la nuit par ses propres soldats. Que faites-vous ? Votre mari est à la guerre, son chef vous donne un ordre, et au verset 4, qu'est-ce qu'on apprend ? Que Bathsheba se rendit auprès de David. Le texte précise que David couche avec elle. Et remarquez que le texte ne dit pas qu'ils couchent ensemble. Alors, utilisons notre contexte contemporain. Un homme important d'influence politique vous convoque chez lui. C'est votre supérieur hiérarchique, direct. Il vous fait venir par ses gardes du corps. Vous vous rencontrez seul avec lui. Quelle est votre marge de manœuvre ? N'oublions pas que nous ne parlons pas de MeToo à cette époque-là. Nous parlons d'une période où les femmes ne travaillent pas, sinon à la maison. Elles n'ont pas de droit de vote. Elles n'ont pas le droit d'avoir un compte en banque ou de sortir avec des copines seules le soir. Cet acte se nomme en réalité un abus de pouvoir, un abus d'autorité, un abus de faiblesse ou une utilisation d'une position dominante pour obtenir des faveurs sexuelles. Suivant les lois des pays dans lesquels vous nous écoutez, on peut qualifier, et c'est peut-être choquant pour certains d'entre vous, l'action de David vis-à-vis de cette femme, en réalité d'un viol. Dans le cadre de l'enquête dont je vous ai parlé, un jour j'ai eu une discussion avec une jeune fille qui est allée à la police pour porter plainte pour viol. La première question que lui a posée l'enquêteur est « Comment étiez-vous habillé ? » Sous-entendu, ne l'avez-vous pas un peu provoqué ? Elle est partie en pleurant. La première fois que j'ai évoqué que David était un violeur, les membres d'église dans laquelle j'ai fait cette prédication, les membres étaient choqués. En fait, pourquoi sommes-nous tant choqués par cette lecture ? Car dire que David, le roi, l'aimé de Dieu a été un violeur, nous choque, dérange. Mais pensez-vous sérieusement qu'il en est en réalité autrement? C'est alors que notre réflexe pavlovien masculin, mais aussi chez les femmes, est de parler de consentement. Mais si elle se lavait nue sur le toit, elle pouvait refuser à tout moment. Non, excusez-moi, mais rien dans le texte ne montre un accord de Bathsheba à cet acte sexuel. Il y a des questions auxquelles
nous devons faire face dans nos couples. Si une femme a peur de perdre son mari, ne va-t-elle pas accepter un rapport sexuel pour le garder au plus près de lui? Si un homme a envie de faire l'amour, est-il toujours à l'écoute de son conjoint pour savoir si cette envie, elle est partagée? Est-ce que nous parlons de consentement dans le couple? Souvent, nous considérons que c'est une chose, mais qui est évidente, et particulièrement dans le couple. Mais en fait, il n'en est rien. Car nous, plus ou moins disposés en fonction des humeurs, nos situations de vie ou émotionnelles. En France, chaque année, c'est environ 200 000 viols. Et dans la moitié des cas, le violeur est le conjoint. En tant que père et mère, nous avons une mission très claire à transmettre à nos enfants, filles ou garçons. Ce sont les limites à ne pas franchir. Tout cela se passe par une éducation à la sexualité, un dialogue sur les relations de couple et par un témoignage dans notre vie, en fait, de parents, tout simplement. Le texte de cette histoire de David est extrêmement pudique. Mais dans un même temps, il est très clair, et particulièrement à la lumière de notre société contemporaine, où ces sujets sont de moins en moins tabous. Mais il y a un défi. Un quart d'abuseur, un quart d'abusé, soit 50% impactés par cette question. Nous devons d'être clairs et sans appel vis-à-vis des abuseurs. Nous devons d'être écoutants et bienveillants vis-à-vis des abusés. Nous devons d'être aimants vis-à-vis des abusés et aussi des abuseurs. Alors je voudrais terminer avec le psaume 51. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Le roi David a pris Bathsabée, la femme d'Uri, et le prophète Nathan va la trouver. David dit alors, « Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense, efface mes torts. Lave-moi complètement de mes fautes et de mon péché. Purifie-moi. Oui, je reconnais mes torts. Mon péché est toujours devant moi. » J'ai beau chercher, mais rien ni personne ne peut combler ce vide immense, ma souffrance causée par le poids du péché. Mais tu m'as dit de venir à toi, me voici fatiguée et chargée. Je dépose à tes pieds ma douleur, que mon cœur batte au rythme de ton cœur. Confonds-moi dans ton amour, j'ai tu es mon sauveur. Je t'ai trouvé ce jour où j'ai tenté d'abandonner dans le noir sans espoir. Je sentais que tout mon être mais tu es venu, toi.
si ce n'est ton amour. Dieu ce n'est ton amour, car tu es le Dieu, oui, tu es le Dieu libérateur. Amen. Face au constat si alarmant présenté ce soir par le pasteur Philippe Penner, une seule réponse demeure, la seule solution commune à tous les maux de ce monde, l'amour. Et l'amour par excellence, c'est notre Dieu. Voilà pourquoi nous avons tant besoin de lui, que nous soyons en faute ou victime. Il est la voie de la guérison dans un cas comme dans l'autre. Si nous cheminons tous vers lui, alors nous nous retrouverons en cours de route et nos relations seront apaisées et douces. C'est ce que nous vous souhaitons à tous, les couples, les familles, et à toutes les relations que vous entretenez. Si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ces paroles, alors partagez cette vidéo. Sachez aussi que toutes les vidéos de cette semaine de la famille sont disponibles en replay sur adventplay.tv. Merci de votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse tout particulièrement en cet instant. Et on se retrouve demain à 19h pour notre dernière rencontre sur les combats familiaux. Et d'ici là, prenez du temps au pied de votre Sauveur.